Bonjour les petits Capri, j'espère que vous allez bien, donc en tout cas ça va. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo nourrissant pour les cheveux. Notre recette, il nous faut un jaune d'œuf, de l'huile d'olive et un batteur. Qui est juste là, mais on voit pas très bien. Alors pour réaliser le soin, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, on va mélanger le jaune d'œuf et l'huile d'olive. Et on va faire en sorte de faire une mayonnaise. Donc alors là, j'ai mis mon récipient dans de l'eau froide. Parce que ben forcément, j'ai eu du mal à faire monter ma mayonnaise. Donc là, je vais le mettre... je l'ai posé dans de l'eau froide. Et je vais continuer à faire monter la mayonnaise un petit peu. Donc voilà, notre mayonnaise, elle est montée. C'est un soin donc super nourrissant pour les cheveux. Ça peut être aussi un super soin anti-poux, totalement naturel. Parce que, en fait, c'est super épais. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Je vais l'appliquer sur les cheveux comme un soin totalement normal. Si jamais ce serait pour un anti-poux, on le laisserait toute la nuit. Mais là, comme c'est un soin nourrissant, on va le laisser que quelques heures. Le petit bémol, c'est que c'est super gras. Donc, il va nous falloir au moins 2 à 3 shampoings pour enlever tout le gras de ce soin. Ouais. Voilà à quoi ressemble le soin. On dirait une mayonnaise faite maison. Je pense que mes cheveux vont bien se régaler. Alors, niveau quantité, c'est pas... C'est comme vous voulez en fait. Nous, on est 3 filles, donc je pense que je vais en faire encore un peu plus parce pour faire les 3 têtes. Donc la quantité, elle varie en fonction de la quantité d'huile d'olive en fait. Plus vous en voulez, plus vous mettez de l'huile d'olive. Donc là, on va séparer les cheveux en petites mèches. On couvre bien, on protège bien en fait les vêtements parce que c'est un produit super gras, donc ça va tâcher. Et on applique le produit de la racine jusqu'aux pointes. Et si c'est pour un anti-poux, on n'hésite pas à bien en mettre sur le cuir chevelu. Très classe. Donc là, j'ai tout enveloppé dans du papier alimentaire, enfin dans du film alimentaire. Et puis on va laisser poser quelques heures pour nourrir le cheveu. Alors maintenant, il n'y a plus besoin d'acheter des anti-poux en supermarché ou alors en pharmacie qui coûtent une blinde et qui détruisent carrément le cuir chevelu, qui l'assèchent totalement et abîment vraiment les cheveux. Maintenant, un jaune d'œuf, de l'huile d'olive et on a notre anti-poux. Alors dans la vidéo, j'ai pas précisé que on pouvait aussi rajouter d'autres huiles végétales. La base, c'est un jaune d'œuf et l'huile d'olive. On monte le tout donc en mayonnaise comme je l'expliquais dans la vidéo, mais on peut aussi y ajouter d'autres huiles végétales, admettons une cuillère à soupe d'huile d'avocat et aussi des huiles essentielles comme c'est, pour un anti-poux par exemple on va ajouter des huiles essentielles de lavande, mais on peut aussi ajouter du ylang-ylang. En fait vous personnalisez après votre soin comme vous le voulez, il n'y a pas de limite. Vous faites vraiment comme vous voulez. La base, un jaune d'œuf, l'huile d'olive, on monte en mayonnaise et on ajoute aussi ce qu'on veut. Là, j'ai laissé 2 heures le produit sur la tête.